Impactées, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, on cuisine ensemble. Je fais du tchèque pour la famille. Oui, vous savez, hein, je suis une femme très occupée. Donc, il y a des dimanches comme ça où je suis de bonne humeur. Je fais des bons plats pour la famille. Et vous savez qu'il y a eu une agression hier ici, dans la ville de Québec. Ouais, il y a quelqu'un qui a agressé. Bon, quand c'est pour eux là, c'est un santé mentale, tout et tout. On attend. C'est ce qu'on est en train d'entendre. Ouais, lui, il est santé mentale, il est parti attaquer les gens dans les rues avec un déguisement. Bon, on attend la suite des choses. Là, c'est le tchèque que je suis en train de cuisiner. Vous voyez ça? Ça, c'est le riz que j'ai déjà fait passer à la vapeur, au micro-ondes, les condiments qui vont suivre. Et puis bon, je vais enlever précieusement mes légumes. Ouais. Wendy, elle trouve que c'est difficile à cuisiner ce repas-là. J'ai dit, ben c'est ça, c'est pour ça que je n'aime pas faire ça tout le temps. Ben, je le fais une fois par an. Pas tout le temps. Parce que ça, c'est les légumes. Ça promet, hein, comme dit Lily. Ouais, il ne faut pas que les légumes aussi soient trop cuits, donc il faut les enlever à temps. On va les enlever par ordre d'arrivée. Ouais, ceux-là, ils étaient là. Et puis bon, comme il s'écrase, oui. Le chou, ouais, parfois le chou, il est dur, là, il faut attendre. Par ordre d'arrivée et puis par ordre de sensibilité, ouais. Ceux qui sont trop sensibles, comme les poivrons, oui, on les enlève. Et puis quoi d'autre? Ouais, j'ai fait sur deux tons. Ouais, la viande, c'est bon, c'est cuit, là. On va mettre ça sur le côté. Parce que dans ma maison, il y a certains qui ne mangent pas le poisson. Ouais. Les enfants d'ici, là, je ne mange pas si je ne mange pas ça. Voilà. Donc, aïe, aïe, aïe. Après ça, quand j'ai enlevé tout ça. Ouais, je laisse le poisson parce que le poisson, je l'ai mis un peu à la dernière minute. Donc, lui, il peut encore... Voilà. Le chou, lui, il peut sortir plus tard. Attention, pas que ça tombe. Aïe, aïe, aïe. Miri. Ouais, j'ai ma petite soeur au Sénégal qui m'a appris à cuisiner ça. Je le fais bien, mais c'est juste que ça prend trop de temps. Et puis, je mets trop de temps pour le faire. Et puis, d'ici le lendemain, tout est fini. Donc, et ça coûte cher, hein. Ah oui, ça coûte cher. Faire du tchèque. Je ne sais pas si en France ou bien où, mais ici, ça coûte cher. Ouais, parce que les poissons, là, hier, je les ai achetés, ces deux poissons-là, quasiment, je peux dire, comme 15 $, les deux poissons. Donc, je vais compléter avec la viande. Voilà, on va enlever les choux. On va les mettre sur le côté, ici. Aïe, aïe, aïe. Qui aimait dire aïe, 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 là? J'avais un de mes petits, là. Fredo. Quand il voit, il dit, aïe, aïe, aïe. Bon, il faut enlever le poisson, là. Je vais enlever, mais j'ai enlevé les morceaux de viande qui sont déjà prêts. J'ai expliqué à Wendy, donc, quand on va faire le jus qui reste, là, on va le réassaisonner. On va ajouter, ça, c'est le yet. Je pense que c'est l'escargot de mer, mais qu'ils ont essayé de fermenter. Ça, c'est l'agiovan. Adiovan même a pris avion. Vraiment, la vie. Adiovan est ici. Voici Adiovan. Donc, quand je vais tout enlever, parce que Wendy, j'apprends aussi à Wendy à faire la cuisine. Je vais mettre tout ça bien assaisonné, laisser bien cuit. Et puis, ajouter un peu de tomate, un peu d'huile, tout et tout. Et puis, on met le riz dans le bouillon. C'est ça. Voilà. Ah, cette petite mamite-là. La mamette, là, 14 ans. Ouais, quand Wendy est née, là, quand ma belle-mère venait, et puis elle est venue avec cette petite mamite, là. J'ai dit, toi, je m'en vais au Canada avec toi. Donc, voici, la petite mamite est venue au Canada. C'est la vie. Ouais, c'est ça. Comme quelqu'un a dit, à Tchéké, à Dieu, va tout ça prend avion. Et puis, nous, on est là-bas. C'est pas grave. Chacun a son tour. Donc, ça, c'est la première étape. On va laisser. Et puis, la deuxième étape, quand ça va être prêt, je vais vous montrer ça pendant qu'on commence la dégustation. Merci. Les impacteurs, on est rendu à la phase où, bon, j'ai fini avec les légumes.
Là, je vais les sécuriser. Ensuite, je les mets un peu au chaud ici, sur le côté. Non, comme il y a le plastique, c'est bon, ça va rester là. Ok. Ah, moi, toutes mes choses là, c'est avec la prudence parce que voici ma pâte bien faite là. Je ne suis pas une Sénégalaise là, donc moi, je vais doucement. Il ne faut pas faire comme une tante là. Miri, tu te rappelles, non, il y a une tante là, on l'avait appelée pour venir cuisiner à Angré. Je ne sais pas si c'était des funérailles ou une fête. Mon cher, quand elle a commencé à mettre le riz là, Miri et moi, on s'est rendu ça là. Le riz là n'est pas trop pour la mamie. T'as dit, on m'appelait ici pour cuisiner, c'est pas elle sait cuisiner. Bref, c'est comme ça là. La tante a mis le riz là dans l'eau. Voici le riz là, le riz a fait comme ça. Et ça montre moi. Hein? Le riz a fait ça. Tchac. Riz ne veut pas cuire. Mmh, tante, on t'avait dit. Bon, elle avait voulu faire Django. Alors que Django, c'est pas bon. Donc c'est ça. Voici. Le goût y est, tout y est. Voilà. Voilà. Ça prend du temps pour cuisiner ça. Ok. Moi, je ne suis pas une Sénégalaise, donc moi, je vais doucement hein, pour moi. Mm-hmm. Voilà. Bien là. Voici le yet. Bon. Qui est là. L'adjuvant, lui, il a déjà disparu. Pauvre adjuvant. Et puis, je vais ajouter mon bouillon. Voici mon bouillon qui est là. Je vais l'ajouter au fur et à mesure, tranquillement. Et ça donne du goût. Je vais doucement. Quand ce n'est pas ton village, là, si tu arrives là, là, tu vas doucement. Il ne faut pas jouer comme si tu connais. Et puis après, là, ça va devenir baka ou bien ça va devenir comme pour la tantie d'engrais. Voilà. Ça, ça va aller. Je regarde un peu. S'il faut en remettre, j'en mets. Ok, ah, en tout cas, ça promet hein, toute la famille. J'aime pas quand il y a trop d'huile, donc moi, comme ça. Quand ça va être prêt, vous allez voir. Ok, je vais fermer. Après, je vais mettre de l'aluminium dessus. Voilà. On va diminuer un peu le feu. Et puis, on attend tranquillement. Et puis, c'est ça là. Bon, on va s'apprêter pour sortir. Après ça. Mes impactés, bon là maintenant on est à l'aide du dressage. On est en train de dresser les assiettes. Bon, là je viens de servir pour mon chéri, vous voyez, hein? Voilà. Lui il aime ça, le poisson avec la viande en même temps. C'est ça qu'elle a, le vrai chef de ça. Et le goût, tout y est, je vous ai dit. Ça a été long à faire, mais bon. Je mets ça et puis je dépose. Je dépose ça parce que lui il n'est pas compliqué. Le Wally n'est pas compliqué. Lui-même, quand tu fais la cuisine, tu viens, tu veux dire, venir déposer devant lui, comme le Moro Naba là. Il dit, chérie, tu as déjà fait beaucoup, laisse-moi même faire le reste. Laisse-moi même me séger, je vais prendre mon verre d'eau, je vais faire des trucs. Il a ses défauts, hein. Tout être humain a ses défauts. Je n'ai pas dit qu'il est parfait. Mais, de toute façon, les maris africains, ça dit que stressent leurs femmes comme des. Ça dit que ils sont des Moro Naba là. Mais il n'est pas dans ça. Voilà, il a dit que s'il n'avait pas marié ce monsieur-là, je mariais mon Whitey et puis je le maîtrise. Moi, si elle est mariée Whitey, elle allait maîtriser ça. Quand il voit les Africains encore, vous mariez Whitey et puis on s'assoit sur votre tête là-bas, ça je ne comprends pas. Moi, si elle est mariée Whitey, elle maîtrise ça. En tout cas, moi, mes soeurs, mes cousines qui ont marié leur Whitey, là, elles maîtrisent ça. Bon, là, là, je vais servir Miss Wendy là. Toi, tu aimes la viande. Elle ne mange pas le poisson. Qu'est-ce que tu veux que je mette? Des poivrons, ça va? Un peu de poivrons, je vais couper. Les mains sont propres. Inquiétez-vous pas. Et puis, quoi d'autre? Tu veux du chou? Un peu de chou. Voilà. Des choux, c'est ça qu'elle a là. Ok. Donc, c'est ça. Quand j'ai cuisiné comme ça, j'ai déposé. Voilà. On va mettre le piment. Eux, ils n'aiment pas l'affaire des soumara et autres là. On prend. Mais on fait du piment qu'on met. Ok. Moi, je ne mange pas. C'est ça mon problème. Je vais manger plus tard. Plus tard. Tu veux encore un morceau de viande, ma chère? Ok, on va te mettre un bon morceau là. Voilà. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Vous m'aviez suivi. On a fait la cuisine, tout et tout.
Et puis ainsi va la vie. Je vous souhaite un bon appétit avec ma famille. Ciao, ciao.